Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fabriquer un objet. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit trouver des boulons et des écrous pour fabriquer un objet, donc avec une arme. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec les matériaux que vous allez pouvoir obtenir dans les détours Fortnite. Donc les détours, c'est tout simplement les lieux écrits en jaune, donc avec une grosse boule. Donc ça, c'est un détour. Donc vous pouvez les repérer avec le nom du lieu dit écrit en jaune. Donc vous pouvez le faire aussi avec les écrous, mais les écrous et les boulons sont très compliqués à trouver, j'ai l'impression. Donc moi, je préfère le faire via les matériaux que vous allez obtenir dans les détours. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des armes. Je vais aller dans les détours, je vais tuer les monstres et vous allez voir, je vais obtenir des matériaux en échange qui vont me permettre justement de créer une arme ou de créer un objet. Donc voilà, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, hop, je pense que je vais mettre ça. Ah, regardez, là, justement, il y a des boulons et des écrous, donc je vais les prendre quand même. Je vais boire ma popo et regarder dans fabrication. Par exemple, si je veux fabriquer un fusil d'assaut à silex, à silencieux, ben je peux, j'ai juste besoin d'un écrou et je peux le fabriquer. Donc je peux déjà fabriquer l'objet. Cependant, je veux essayer de le fabriquer avec les monstres, les matériaux des monstres. Alors là, regardez, quand vous allez tuer un monstre, enfin plusieurs monstres, oh là. Non. Ah, il m'a tué l'enfoiré. Bon, c'est pas grave, je vais retourner dans un détour et je vais vous montrer. Donc voilà, je retourne dans le détour, mais il y a encore énormément de monde. Donc je pense que c'est encore plus préférable de chercher des boulons, parce que c'est très compliqué là. Alors déjà, quand vous arrivez dans un détour, essayez de choper un coffre comme ça. What the fuck, je pouvais pas le prendre, je sais pas pourquoi. Ok, voilà. Parce qu'il vous faudra une arme des détours pour pouvoir l'améliorer avec les fragments du cube. Donc les fragments du cube, vous allez pouvoir les obtenir en tuant des zombies, en fait, tout simplement. Donc là, déjà, lui, on va essayer de le tuer. Ok, donc là, j'ai tué un zombie. Regardez, ça m'a donné un fragment de monstre du cube. Donc c'est ça que vous allez avoir besoin pour justement améliorer votre arme. Donc regardez, une arme de détour, il me faudra 20 fragments du cube. Après, c'est peut-être mieux de trouver des boulons parce qu'il vous faudra qu'un seul pack de boulons et d'écrous. Donc peut-être ce sera plus facile, mais je sais pas. Donc ça, c'est à vous de voir comme vous préférez. Moi, je pensais que ça aurait été plus facile avec les armes de détour. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde à chaque fois. Donc c'est peut-être plus facile de trouver des écrous. Alors, on va quand même essayer de récupérer 20 fragments du cube. Donc on les récupère par 5. Hein, donc normalement, là, il ne manque plus que 5. Voilà, là, normalement, j'ai assez. Je vais aller me cacher. Hop. Voilà, et là, normalement, je peux améliorer mon arme. Ah non. Ah, j'en ai que 18. Ok, les gros, ils donnent 5 fragments du cube. Et les petits zombies, ils donnent 3 fragments. Et après, ils ne les donnent pas obligatoirement tous. Parce que parfois, j'ai déjà tué des zombies qui ne donnaient pas de fragments. Ah, il y a un petit coffre ici. Donc ça, c'est les nouveaux coffres où vous allez pouvoir trouver des armes de détour. Vous êtes obligé de trouver des armes de détour pour les améliorer avec les fragments. Vous ne pouvez pas améliorer des armes normales avec des fragments. C'est obligé des armes de détour. Ok, ça a donné des fragments, mais j'ai l'impression qu'il y a un ennemi. Ah non, c'est bon. Ok, je prends le fragment et je me casse. C'est bon, j'ai le fragment. Normalement, là, je vais pouvoir améliorer mon arme. On va tester ça. On va sortir de cette zone. Voilà, parfait. Et on regarde si on peut améliorer. Donc oui, on peut améliorer le minigun. Donc c'est ce qu'on va faire, on va fabriquer le minigun, l'amélioration du minigun, voilà, ça l'améliore et ça a bien validé mon défi qui était de fabriquer un objet. Donc voilà, soit vous fabriquez un objet avec des boulons et des écrous ou soit avec des fragments du cube, c'est à vous de voir. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce défi et j'espère que mes explications auront été claires et vous auront satisfaites. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.